Good morning, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, René Avraham, Ben Mordechai, Claude Shlomo, Ben Shalom, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batraina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions Maserhet Sota, Perek Aleph, Mishnah Tet. Vechen le Inyan Hatova, Miriam Himtina le Moshe Shah, Hat, Shenemar, Vatetaseda, Hotom et Rachok, Lefikar, Nit Akvu, La, Israël, Shiv Ayamim, Bamidbar, Shenemar, Veham, Lonasa, עד יאסף מרים. יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו. שנאמר ועל יוסף לקבור את אביו, והיה על אמו גם רכב גם פרשים. מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה? משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו. שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף אמו, מי גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא המקום? שנאמר ויקבור אותו בגיא. ולא על משה בלבד אמרו, אלא על כל הצדיקים שנאמר והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. On continue le sujet du Mida Keneged Mida ouvert depuis la Mishnah Zayin en rapport avec la Sota, mais du coup on a commencé à parler de plusieurs autres domaines, on a vu ce même principe. La Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, la loi du talion, comme ce qu'un homme décide de se conduire envers les autres, comme ça du ciel, on se conduit envers lui. On a rapporté par rapport à la Sota d'abord, comment elle se conduit avec Pritzout, alors du coup, elle va en Mida Keneged Mida, elle va se décomposer, elle a voulu se montrer, on va la mettre devant tout le monde, elle va se montrer devant tout le monde en étant abaissée cette fois-ci, et ainsi de suite. Après dans la Mishnah précédente, on a parlé de Averot, d'hommes qui ont transgressé avec leurs yeux, ou encore avec l'autre, c'était Avshalom, tout ce qu'il a fait, et en contrepartie, il a été puni en fonction. À présent, on va voir, il en va de même aussi pour le bien. Quelqu'un qui s'efforce à faire, à adopter une bonne conduite, à agir bien, et bien en retour, il recevra que du ciel, on en favorisera, qu'on se conduise bien envers lui, qu'on lui fasse des bontés, des grâces. En l'occurrence, le premier exemple, c'est Myriam Imtina le Moshe Sha'achat. Myriam, elle a attendu, guetté pour Moshe pendant une heure. Lorsque Moshe est né, il est né à 6 mois au lieu de 9 mois, ils l'ont caché pendant 3 mois, jusqu'à la fin, c'est plus possible de le cacher. Et puis alors, ils ont mis Moshe Rabbeinu dans le petit berceau, ils l'ont mis à flotter dans le Nil, dans le Nilus, et maintenant quoi? Ils l'ont pas mis et qu'ils sont partis. Myriam, elle a guetté pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Oh, Myriam, elle a sacrifié de son temps pour son petit frère, pour voir qu'est-ce qu'elle allait être, arrive entre de bonnes mains. Du coup, donc ça s'écrit, Shenemar Vatetatsa Vachotom Erachok, comme nous dit le verset, que sa sœur s'est tenue de loin pour le guetter. L'Efikar Nitakvula Israël Shiva Yamim Bamidbar, c'est pour ça qu'elle a mérité qu'ensuite, lorsqu'elle a eu l'histoire avec la lèpre, quand elle a parlé justement en face de Moshe Rabbeinu, elle a été punie de lèpre. Tout le Ham Israël est resté planté sur place pendant 7 jours pour attendre Myriam qu'elle finisse de purger sa peine de l'être, d'être exclu du campement pendant 7 jours. Tout le Ham Israël, il n'a pas bougé. Quoi? 600 000 personnes qui attendent pour une femme? Oui, parce que cette femme-là, elle a su attendre lorsqu'il a fallu attendre. Et en retour, elle a reçu sa chaîne Yamar, Ve'am, Lonasa, Adéasef, Myriam, comme nous dit le verset, que le peuple n'a pas voyagé jusqu'à que Myriam ait pu se rejoindre. Encore un autre domaine, cette fois-ci ça va être en triple. D'abord, Yosef Zachalik Bor et Aviv, Ve'en Be'ariv Gadol Mimenu, Nachon. Yosef, c'est lui qui s'est occupé, qui a pris en main l'enterrement de son père. C'est lui qui a pris en main, et il était le plus grand des frères. Donc c'était la personne la plus importante d'Égypte, parmi les d'Israël. Plus important, Jim qui s'occupait de l'enterrement de son père. Du coup, qui va s'enterrer dans l'enterrement de son père? Eh bien, on va chercher la plus grande personne, le plus grand rabbin. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va s'occuper des os de Yosef. Moshe s'est occupé des os de Yosef. On va chercher quelqu'un qui va s'occuper de Moshe Rabbeinu. Qui s'occupait de l'enterrement de Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu Birvodo ou Beatzma. C'est ce que la Mishnah me dit. Yosef Zachalik Bor et Aviv Ve'en Be'echav Gadol Mimenu. Yosef, c'est lui qui a eu. Qui s'est octroyé le droit d'enterrer son père, qui a pris les choses en main, et qui a eu le zchout, et Ve'en Bechav Gadol Mimenu, il était le plus grand des frères. Donc, le plus
important, s'occuper de son père. Et bien, chez Neymar, comme nous dit le verset, Vayal Yosef Likbor Taviv, et Yosef est monté pour enterrer son père. Vayal Imo Gamrechel Gamparashim, et il a fait monter avec lui même des chars et des cavaliers. Milanu Gadol mi Yosef, qui plus grand que Yosef? Shelo Nitasek Bo Ela Moshe, que pour pouvoir enterrer Yosef, s'occuper de Yosef, on a dû chercher le top des Bnei Israël, qui était en l'occurrence Moshe. Moshe Zacha Basmot Yosef Ven Bnei Israël Gadol mi Yemenu, du coup, Moshe c'est lui qui a eu le mérite, ou qui s'octroyait le mérite, de s'occuper des os de Yosef, parce que lorsqu'il fallait marcher dans le désert, il fallait avoir quelqu'un qui porte les os de Joachim, qui avait demandé à ce qu'ils arrivent tous enfin à la fin d'Israël pour rentrer en Israël. Alors, ils sont tous décédés en Égypte, il fallait les prendre. C'est Moshe Rabbeinu qui s'est occupé des os de Yosef, de les prendre directement. Ouais, comme nous dit le verset, chez Neymar, Vekach, Moshe Tatsmot Yosef et Imo, comme dit le verset que Moshe Rabbeinu a pris avec lui les os de Yosef. Et bien dans ce cas-là, Mi Gadol, Mi Moshe, qui de plus grand que Moshe? Que Shalom Itasekbo est là à Makom. On a dû chercher quelqu'un de encore plus grand que Moshe Rabbeinu pour l'enterrer, et on a trouvé qui? Eh ben Shalom Itasekbo est là à Makom. On a pu trouver que à Makom, Akadosh Baruch Hu qui a appelé à Makom. Shenemar Vaikbor Oto Bagai, comme nous dit le verset, que Hachem a enterré Moshe Bagai à Gai Moul Bet Peor dans Daish Kevurato, comme ça raconté dans la fin du livre de Dvarim. Velo al Moshe bilvad amru, et sache que ce n'est pas dit uniquement que pour Moshe Rabbeinu, elle al kol tzadikim, mais pour tous les tzadikim de toute génération qui s'efforcent en fait à se donner pour le Ham Israël, et que dans ce cas-là, qui va les recevoir à leur enterrement? Chez Nehemar, c'est Hachem qui va les recevoir, chez Nehemar, ve'alach lefanecha tzidkecha, comme dit le verset dans Yeshayahu, que et ta tzidkut, ta droiture, ton mérite, ira devant toi, que vod Hachem y asfecha, et l'honneur d'Hachem le rassemblera, le ramassera, te recevra en fait, quand on arrivera après les 120 ans, c'est Hachem en personne qui viendra nous recevoir. Et c'est tout pour aujourd'hui, qui viendra nous recevoir, c'est des équipes, mais dans Hachem, qu'on le soit tous. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.